L'heure est grave, mes amis. Nous travaillons comme des chiens. C'est à peine si nous avons le temps pour notre famille le soir. Nous sommes taxés à la moindre occasion. Monsieur Moncon veut réinstaurer la chasse à cour car ce serait emblématique de la France. Au Moyen-Âge, oui, pas à l'heure où nous cherchons à préserver notre belle planète. Allons-nous devenir des serfs ou des vilains au service du roi Moncon? Ou le sommes-nous déjà? L'État veut nous taxer nos potagers, car c'est le premier pas vers l'autonomie. Ce pas nous apprend la satisfaction de manger le fruit de notre travail. Ce même État cherche à nous enlever tout instinct de survie pour lui être dépendant. Il nous prive petit à petit de notre pouvoir d'achat. Nous ne vivons plus, nous survivons. Pourquoi en ville sommes-nous si tristes? Peut-être avons-nous besoin de ce retour à la nature. Je lance donc un appel à la révolution. Il faut que nous redevenions libres de nos propres choix, de nos propres idées, de nos savoir-faire. Réapprenons à être autonomes. Nous ne serons jamais mieux servis que par soi-même. Questionnons nos aînés. Eux seuls ont réellement connu une vie de dur labeur. Ils nous permettent de voir un autre modèle basé sur l'entraide, la solidarité, l'échange de biens, de services. Ils nous apportent du savoir-vivre, du savoir-faire. Donc, lancez-vous. Chaque geste est le début d'une grande aventure, celle de l'autosuffisance. Dur, dur de savoir par où commencer. Je vous propose donc le récap. Le récap, c'est du matériel casse, on essaie de le réparer au maximum. Échange tes services, ton surplus de récolte. Cultive ta terre, qu'elle t'appartienne ou pas. La planète Terre n'appartient à personne en réalité. Aide ton prochain en difficulté. Partage ton savoir, tes idées, tes outils. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir ce modèle de vie. Trouvez des personnes avec ces mêmes envies. Expliquez-leur vos projets et entourez-vous des personnes qui vont croire en eux. Plus on se réunira, plus on sera assez nombreux pour se faire entendre. Restons ouverts pour un monde plus vert.